L'Irlande n'a pas manqué ses débuts dans la Coupe du Monde 2023. Opposée à la Roumanie, samedi après-midi à Bordeaux, le 15 du trèfle s'est baladé 82-8, avec 12 essais marqués. Signant du même coup sa plus large victoire de son histoire lors d'un mondial. Un fait toutefois légèrement gâché en marge de la rencontre, en raison des problèmes rencontrés par les supporters irlandais. Venus en masse, à l'entrée du stade. En effet, à 15 minutes du coup d'envoi, le stade était loin d'être plein, rapporte Sud-Ouest. De nombreux supporters irlandais ont été surpris par l'organisation défaillante du réseau de transport, notamment les tramways, qui étaient bondés. Plus d'une heure et demie avant le début du match, ils étaient nombreux à faire la queue place de la Bourse ou à la Porte de Bourgogne, attendant patiemment leur tour sous la chaleur accablante pour entrer dans un tramway déjà plein, explique le quotidien régional. D'énormes files d'attente devant le stade. Les transports publics sont en panne, les trams ne pouvant pas absorber la foule. Des milliers de personnes sont dehors en ce moment même. Nous nous sommes rendus au stade 2 heures avant le coup d'envoi. Les supporters irlandais sont frustrés mais de bonne humeur. Organisation épouvantable, a ainsi déploré le journaliste irlandais, Rob Murphy sur X anciennement Twitter. Ces mêmes problèmes d'accès au stade ont été constatés également à Marseille, ce samedi, en marge du choc entre l'Angleterre et l'Argentine. Des milliers de fans anglais étaient effectivement encore bloqués à l'extérieur du Vélodrome. À quelques minutes seulement du coup d'envoi.